Non, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que mes tomates, à moi, elles n'ont aucun goût, aucune saveur. On dirait un discours d'Edouard Philippe. Avec Willy Revelli, Arnold Derek et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour la France, bonjour Arnold, c'est Willy. Vous l'aviez là-bas à Versailles, Arnold et Willy? Oui, bien sûr, ils s'en foutent. Allez, promis, moi j'arrêterai cette intro qui nous épuise un peu. L'arrêterai quand Cyril Hanouna se sera enfin décidé à se présenter à la présidentielle. T'as vu qu'il hésite, en plus son programme est très simple pour relancer les échanges commerciaux avec la Chine malmenée en ce moment. On se met tous des nouilles dans le slip. Ça a l'air super bien. Aujourd'hui, mes amis, nous sommes réunis ici pour développer ensemble le thème bouleversant de jardinage. Alors, on plante quoi? Ah non, mais c'est un sujet sérieux, mes amis. 9 Français sur 10 disposent d'un petit coin à jardiner. Faut dire que c'est le chemin de vie idéal, hein. Une maison, une femme, des enfants, un jardin. Xavier Dupont de Ligonnès, voilà. C'est vrai que tout de suite, ça fait rêver. À Paris aussi, avec leur délire à tous vouloir faire une forêt en ville, tu vas voir qu'on va bientôt, on va vouloir de plus en plus planter partout. Ouais. On va pouvoir planter partout. Même si, selon les dernières statistiques parues il y a quelques jours à Paris, on peut déjà facilement se faire planter partout. Tu vois, comme quoi ça avance, hein. Ils veulent foutre des jardins sur les toits des gens, bah, il faudrait déjà qu'ils foutent un toit sur les gens. Ouais. Et un bon, hein. Dans la capitale, il y a tellement d'appart insalubres que tu peux partir à la cueillette des champs directement sur ton mur. Sans compter tous les bidonvilles de pauvres migrants aux portes de la ville qui certes nous font honte dans le monde entier, mais qui font la joie de maladies, bactéries, autres virus qui poussent gaiement sur des terrains bien fertiles, fertiligènes. Non, tu vois, partout en France, on aime le jardinage. On aime, mais en faire en ce moment avec cet hiver doux, c'est quand même pas simple. On est en février, il fait 20 degrés dehors. Non mais là, j'ai plutôt envie de planter des goyaves, des papaye et du morito que des poireaux, hein. C'est ça le réchauffement climatique, c'est ça. Attends, mais moi on m'avait parlé de 2 degrés en plus, hein, pas du climat du Guatemala dans le Pas-de-Calais. C'est n'importe quoi, il n'y a plus de saison, ma petite dame. T'imagines ce week-end, tu plantes de jolies laitues, puis là avec ce vent et cette pluie, c'est comme si on prenait la plus belle raquette de tennis de Federer pour l'offrir à Philippe Croizon. Tu vois, c'est gâché, c'est gâché. Alors les gens aiment les légumes. Tiens, chez Intermarché, pour pas jeter les abîmés, t'as vu, ils ont mis un stand légumes moches. T'as vu, légumes moches. Avec des trous, des moisissures, difformes, une carotte. C'est les pattes du légume, en fait. Hein. Quant au rayon bio, il en pousse partout. Hein. Au supermarché, un légume bio hors de prix a fait des milliers de kilomètres. Il est vendu sous cellophane. Un légume pas bio, abordable, qui a poussé en France et vendu sans cellophane. Voilà, ne cherchez pas, je ne pourrais pas faire plus drôle que ça. C'est quand même, il l'a rendu à la... Voilà. Non mais moi, ce qui m'énerve, c'est que mes tomates à moi, elles n'ont aucun goût, aucune saveur. On dirait un discours d'Edouard Philippe. J'ai une amie, elle, c'est ses concombres qui poussent plus. Ce qui la contrarie, hein, ses légumes pleins de vitamines et qui surtout lui fait passer plein de bon temps lors de ses longues soirées d'hiver en solitaire. Bref, dans le jardin aussi, tout va à volo. Mais en attendant, on n'est pas à l'abri de passer une bonne journée. À demain. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.